tu es Alpha et Omega. Tu n'as pas changé, tu es Omega. Tu n'as pas changé, tu es Papa Alpha. Tu n'as pas changé, tu es Alpha.
Verset 5. Bien-aimés, sois disposés pendant qu'on va donner les explications. Parce qu'après cela, du moins, on va entrer dans une phase de prière. Afin que le Seigneur nous donne cette peau noire-là. Et que nous puissions éviter le rang dessus. Je lis la parole du Seigneur. C'est la Soulamite qui parle. Elle dit, je suis noire. Mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les peuples de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Et elle continue pour dire au verset 6, ne prenez pas garde à mon teint,
c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vie. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Et bien aimé, les deux phrases qui nous intéressent à l'intérieur de tout ça, c'est que la Soulamite dit que je suis noire, mais je suis belle. Et elle continue encore pour dire que ne prenez pas garde à mon pied, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et me permets-moi de te raconter cette histoire. Le Seigneur compare tout Israël à une femme. Quand il s'adresse à Israël, soit il appelle fille de Simon. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est comparé à une femme. Le Seigneur est allé en Égypte, il a récupéré la femme. Il doit amener la femme dans un lieu qu'on appelle Canaan. Mais avant d'emmener là-bas la femme, il doit faire passer la femme dans un désert. Or, nous savons en tant que citoyens de ce monde que quand quelqu'un passe par un désert, ce n'est que chaleur. Ce n'est que la chaleur. Parce que dans le désert, c'est là que ton corps doit être habitué à l'intensité du soleil. Or, le véritable soleil de justice, selon que déclare la Bible dans le livre de Malachie, chapitre 4 à partir du verset 2, la Bible déclare que le soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, si le Seigneur envoie cette femme dans le désert, c'est parce qu'il veut que le soleil puisse brûler cette femme. Il veut que le soleil puisse encore détruire cette femme pour qu'elle puisse avoir le pied noir, pour qu'elle soit brûlée, pour qu'elle soit consumée, pour hériter le rang de ceux qui animent du canard. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, si le soleil n'est pas brûlé, si le soleil n'est pas consumé, tu ne peux pas hériter le rang de ceux qui animent. Mais comment le soleil va te brûler? Comment le soleil va t'en faire consumer? Regarde quand le soleil ne brûle pas la gosse, mais le soleil ne brûle pas la chair. Bien aimé, il faut que les désirs de la chair puissent mourir. Il faut que tout ce qui est en toi qui parle et les autres puissent mourir. Afin que tu puisses vivre uniquement par l'Esprit du Seigneur. Tu puisses vivre par l'Esprit du Seigneur. Et on va prendre encore tout cela, c'est pour te remonter à prier. Ésaïe chapitre 43, bon, chapitre 44, à partir du verset 13. À partir du verset 13, on va lire encore l'histoire. On dit le charpentier étant le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau. Et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, qu'elle habite dans une maison. Donc, le travail d'un charpentier, c'est de s'exercer au bois. Je ne dis pas que le charpentier en ligne, parce qu'il sait qu'il devait travailler un bois. Il devait prendre un bois depuis la forêt. Le bois, là, normalement, il pique la forêt. Il pique l'état sauvage. On le coupe, on le voit. Les vendeurs de bois en gros là vont distribuer encore à tous les charpentiers et menuisiers qui sont dans le quartier. Et quand ils vont prendre le bois, les tâches au bois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prendre leur cordeau, ils vont mesurer. Quand ils finissent de mesurer, il a les petits couteaux là, il va couper un peu, il va façonner pour donner une forme. Et là, c'est le travail du Seigneur Jésus. C'est le travail du Seigneur Jésus. Et là, au départ, j'étais dans la forêt, j'étais comme un animal sauvage. Je sais comme une personne sauvage, une personne essentielle. Pourquoi? Parce que tu vivais selon ta chair. Tu vivais selon les chair de ce monde. Tu vivais selon les chair de ce monde. Mais le Seigneur t'a fait sortir de la forêt. Il finit de te faire sortir de la forêt. Il fait le travail de charpentier. Il commence à te donner une forme. Mais il prend le couteau pour commencer à tailler. Mais bien, avec il prend le couteau pour commencer à tailler, il y aura forcément des parties qui vont être enlevées. Or, toutes ces parties qui vont être enlevées là, c'est l'orgueil qui va être enlevé, c'est la colère qui va être enlevée, c'est la mémoire qui va être enlevée, c'est toutes les choses qui vont être enlevées en toi. Pour que tu puisses entrer dans une maison, il y a quelqu'un qui n'a pas une habitation sur la terre, il n'a pas au ciel. C'est pas moi qui le dis. Il dit pour qu'elle habite dans une maison. Et le Seigneur t'a enlevé de la forêt. Il t'enlève de l'état sauvage, tu te fais habiter dans une maison. Et cette maison-là, c'est la véritable maison de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que bien aimé, tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Bien aimé, si quelqu'un ne veut pas passer par le désert, si quelqu'un ne veut pas passer par le puissement, vraiment, ça sera très difficile. Quasi même impossible. Quasi impossible. Bien aimé, je vais te donner encore une histoire. Regarde l'histoire de Noé. Noé, quand Dieu lui devait lui donner encore la construction de l'arche, il dit qu'il faut utiliser un bois qu'on appelle le bois de Gophet. Or, le bois de Gophet, ce n'est pas un bois qu'on trouve dans la savane. Il faut aller récupérer le bois là dans la forêt. Donc, Noé va jouer le travail encore, et c'est pas bien couper de bois. Donc, Noé
Noé va aller chercher le poids de la terre. Noé va façonner, il va tourner avec des dimensions et il va former une hache. Oh, la véritable hache, bien aimé, c'est toi. La véritable hache qui va encore surpasser les eaux, c'est toi. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi bien aimé, on va se tenir de compréhension. Parce qu'il y a trop de choses qui nous empêchent encore d'hériter le rang dessus. Il y a trop de choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent encore d'hériter le rang dessus. Bien aimé, souviens-toi, regarde. Il y a un premier ennemi qu'on va attaquer qu'on appelle l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est comme une table dans la vie de quelqu'un. Et bien là, ce soir, l'orgueil fait que tu rivalises les tons de ton frère. Tu es fâché quand tu vois ton frère manifester un ton. Tu es là, mais tu n'es pas content. À l'intérieur de ton cœur, quand tu vois ton frère prophétiser aujourd'hui, tu dis, ah, mais pourquoi c'est pas moi? Quand tu vois ton frère faire ça, tu dis, ah, pourquoi c'est pas moi? Parce que ça te fait mal. Il y a les jalousies à l'intérieur de ton cœur. Mais bien aimé, tu dis, ah, là, l'intérieur de ton cœur, mais c'est quelqu'un qui va venir te chercher. Parce que notre Dieu, il veut une église qui est inépréhensible, une église qui est sans tâche, une église qui est sans défaut. Bien aimé, remarque dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a, bien aimé? Remarque dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a? Chez toi, est-ce la combattise? Tu ne peux pas résister aux belles filles. Bien aimé, c'est ça et le problème. Dieu traite le cas. Le Seigneur Jésus, c'est un soutien. Il est capable d'opérer. Si tu n'as pas dit, Seigneur, tu as opéré, va te dire cela de moi. Il est capable d'opérer. Bien aimé, ensemble, nous allons chanter avec le groupe de louange et d'adoration. Bien aimé, sois disposé. Parce qu'il s'agit de ta vie. Tu ne sais pas si après ce moment, tu t'avances. Donc, il faut te concentrer, tu vas bien prier ce soir. Afin que ta prière soit comme un pardon de bon cœur. Parce que Dieu lui-même sentit ce qui est bon. Il ne fait pas dans ce genre de choses. Bien aimé, continuons. Bise-moi, afin que je voie ta gloire. Bien aimé, c'est tout ce que tu vas commencer à regarder dans ta vie. Bise-moi, tu vas commencer à voir dans ta vie, bien aimé. En fait, si il y a les chambres, c'est ça, j'ai du père. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je sors de mon école, mais la chambre ne passe pas. Père, brise-moi ce soir. Je te dis, brise-moi ce soir. Je te dis, brise-moi ce soir. Je te dis, encore, ce désir de chair de parler de moi. Brise-moi. Je vais essayer de briser ce soir de toi. Afin que je voie ta gloire. Alléluia. Bien aimé, on va prier ensemble. Tu vas répéter d'après moi. Tu vas répéter d'après moi. Père. Bien aimé, fais l'effort. On sait que nous sommes fatigués, mais faisons l'effort. Père. En ce soir, je viens de ta présence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon désir, mon souci, c'est d'être enlevé, c'est de te voir. Père, ta parole déclare, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur Jésus, en ce soir, je viens à toi. J'ai remarqué dans ma vie qu'il y a des choses qui ne te glorifient pas. Père, j'ai remarqué dans mon âme qu'il y a des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur Jésus, j'ai remarqué dans mon cœur qu'il y a des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur Jésus, quand des malades seront à l'hôpital pour une maladie quelconque, le médecin, le diagnostic et le père le soigne. Père, la colère, l'orgueil, ce n'est pas une maladie que la médecine physique peut guérir. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. À l'intérieur de mon cœur, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Je suis jaloux de mon frère. Jaloux de ma soeur. En ce sens que je dis à l'intérieur de moi, pourquoi Dieu l'utilise et ne m'utilise pas? Pourquoi Dieu l'utilise et ne m'utilise pas? Père, je fais des prières, je fais des prières de jalousie,
la prière de jalousie. Père, j'étais dans ma prière. Pourquoi lui et non moi? Pourquoi lui et non moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, brise-moi ce soir. Retire la jalousie. 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 Seigneur, je ne comprends pas que ta situation de jalousie se présente devant moi. Je n'arrive pas à résister. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, pas de sang de feu. Pas de sang de feu. Pas de sang de feu. Et détruis la jalousie. 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 Père, lorsque j'étais à la délivrance, j'ai vu la manifestation de la vie de mon père. Et j'ai dit dans mon cœur, c'est foutaise, Père, tout sentiment de jalousie, de rivalité, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu n'aime pas les jalousies. Parce qu'aucune personne qui manifeste les jalousies ne peut entrer dans le rang de Dieu. Or, l'ennemi ne peut pas régner dans l'église. Il envoie premièrement l'esprit de la jalousie, l'esprit de la concurrence, l'esprit de je connais plus que toi, l'esprit de je sais plus que toi. Bien-aimé, que toutes ces choses ont pu se mourir en toi. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur ce soir. Bien-aimé, toi-même, tu te connais là où tu as manifesté la jalousie. Là où tu étais jaloux de ton frère. Tu n'as pas aimé que lui tienne toi la porte. Tu n'as pas aimé que lui, le sang de Dieu, le prenne avec douceur. Et tu as murmuré dans ton cœur. Tu as murmuré dans ton cœur. Mais toujours c'est lui. Toujours c'est lui. Bien-aimé, demande au Seigneur de retirer ce comportement toi. Demande au Seigneur de retirer ce comportement toi. Demande au Seigneur de retirer ce comportement dans ta vie. Bien-aimé, mets la main sur le cœur. Et demande au Seigneur de retirer encore la jalousie. De retirer la jalousie. À l'intérieur de ton cœur. Là où je jalouse de ton frère. Là où je jalouse de ta soeur. Quand tu entends ton frère en train de rendre témoignage. Parce qu'il rend témoignage s'il va se marier. Bien-aimé, ton cœur commence à devenir puissant. Au lieu d'être de la joie, ton cœur commence à devenir puissant. Parce que c'est la jalousie qui se cache la force de l'ennemi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, tu vas prier le Seigneur Jésus afin de retirer ton cœur la jalousie à l'intérieur de toi. Bien-aimé, prie le Seigneur Jésus. Charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul,
Et un autre dit, moi d'Apollos, ne trouve pas de forme, ne trouve pas encore de la chance. Lorsque quelqu'un d'entre les dit, moi je préfère celui-là que celui-là. Je préfère tel homme de Dieu que celui-là. Je préfère celui-là que ça. Je préfère celui-là que ça. Je préfère celui-là que ça. Je préfère marcher avec celui-là. Parce qu'avec celui-là, je me sens bien. Mais lui, je n'aime pas marcher avec lui. Bien aimé, n'es-tu pas en train de manifester le comportement des gens, un comportement de dispute? N'es-tu pas charnel? Bien aimé, c'est pourquoi encore ce soir, tous ces comportements qui font fuir l'amour à l'intérieur de ton cœur, que le Seigneur puisse venir les sauter. Que le Seigneur puisse venir les enlever, bien aimé. Tu vas prier encore pour toute l'église en ce jour. Pour ceux même qui nous suivent en direct. Pour ceux encore qui sont encore à la maison. Bien aimé, tu vas prier ce soir pour ton frère. Ne te limite pas simplement à prier pour toi seul, mais prie pour ton frère. Tu as remarqué que ton frère a un comportement de charme. Au lieu de le critiquer, au lieu de le tester, c'est le temps de prier pour lui. C'est le temps de demander au Seigneur encore. Porter la jalousie à l'intérieur. Dis-toi de ton frère. Bien aimé, on va prendre la position d'humilité. La position d'humilité que nous allons prendre, ce n'est pas pour toi. Bien aimé, faire l'effort de ne pas dormir. Prends une position d'humilité. Et demande encore au Seigneur d'ôter la jalousie au milieu. D'ôter la jalousie au milieu. Bien aimé, on n'entend pas la voix de quelqu'un en train de prier. On n'entend pas la voix de quelqu'un en train de prier. Tu as remarqué que ton frère, tu as remarqué le comportement de la vie de ton frère. Mais au lieu de t'asseoir pour parler mal, au lieu de t'asseoir pour dire, ah oui, on est jaloux, lui il est comme ceci, lui il est comme cela. Bien aimé, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Là où tu as remarqué que ton frère est jaloux, là où tu as remarqué que moi-même, je suis jaloux, bien aimé, prie pour moi. Afin que le Seigneur ait compassion. Bien aimé, nous sommes des frères, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, on n'est pas des ennemis. À quoi ça sert de se mettre deux à deux? À quoi ça sert de se mettre trois à trois et de commencer à parler, de commencer à chuchoter, de commencer à dire les choses et les choses? Ça sert à quoi? Là où il y a la jalousie à l'intérieur de ton cœur. Bien aimé, que ces choses ne puissent pas trouver place en toi. Parce que la jalousie n'est pas de Dieu. Qui peut m'empêcher de te. La jalousie n'est pas de Dieu. La vie de paix ne soit pas de Jésus. Afin de voir ta gloire. Devant le Seigneur est retiré. Père, même des sens maintenant pour te paix. Et commence à retirer dans le corps tout ce qui est pas de chance. Je prie que le Seigneur prie ce genre de choses en toi.
Là où même quand tu donnes un service à quelqu'un, tu dois lui donner l'argent de toi, devant tout le monde. Quand le Seigneur prie, c'est chose de toi. Là où quand tu rentres le frère, tu veux qu'on sache que c'est toi qui es là. Tu veux qu'on sache que c'est toi qui es là. Devant le Seigneur de briser, tout cela te donnerait de toi. Devenir calciné, tout forme de mal, l'orgueil de toutes ses formes. Là où tu ne supportes pas le conseil, là où tu ne supportes pas la réprimande, là où tu ne supportes pas la réprimande, là où tu ne supportes pas la tentation. Bien aimé, sache qu'il y a un vrai docteur et à l'intérieur de ton cœur. C'est pourquoi tu as pour le Seigneur Jésus de venir ôter les racines de l'orgueil, de venir détruire l'arbre de l'orgueil. Parce que l'orgueil c'est un arbre, l'orgueil c'est un arbre, et ses fruits sont la colère, ses fruits sont la haine, ses fruits sont la méchanceté. C'est plus en faisant toutes ces autres choses. Demande au Seigneur de venir lever ce pape à l'intérieur de ton cœur. Par le Seigneur, je suis dit, Seigneur, sois-tu de ce moment. Que je ne trouve plus encore l'orgueil dans ma vie. Que je ne trouve plus encore l'orgueil dans ma vie. Viens parler toi seul. Quand tu envoies toute la paix, tu veux parler toi seul. Tu ne veux pas que la paix parle. Parce que c'est qu'il va dire, on te met à paix. Bien aimé par le Seigneur Jésus. Et Dieu, le Seigneur, qui vient de prendre l'orgueil de moi. Il a de l'orgueil à l'intérieur de moi. Seigneur, tu as prié le juste. Pour enlever l'orgueil. Pour briser l'orgueil. Pour briser l'orgueil. Pour briser l'orgueil. Bien aimé par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un temps pour toi. Ce n'est pas un temps pour moi, mais c'est un temps pour parler au roi de gloire. Parle au Seigneur le Seigneur. 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 Alléluia. Quel est mon Seigneur de Dieu? Mon Seigneur de Dieu. Bien-aimé, l'orgueil, vraiment, c'est un venin très mortel. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel on va jouer. Hein. Parce que facilement, quand lui, il te prend, même tous tes dons, il va corrompre. Et tu vas penser que la source de la puissance de tes dons, c'est le Saint-Esprit. Oh, derrière même, c'est même pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Lucifer. Oh, les dons sont là, c'est Dieu qui te les a donnés. Mais la source, l'inspiration qui agit derrière ces dons-là, bien aimé, c'est pas l'Éternel lorsqu'il y a l'orgueil. C'est pourquoi, bien aimé, tous, sans exception, si toi, tu veux t'amuser avec l'orgueil, bien aimé, moi, je m'amuse pas avec ça. Hein. Si tu veux jouer avec le péché de l'orgueil, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas un brin d'orgueil à l'intérieur de son cœur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien aimé, souviens-toi, souvent dans les affaires. Quand tu parles avec les gens, tu ne veux pas te répandre. Ce que mon Dieu là, ça ne dit rien. Toi, tu veux parler seulement. Tu veux parler seulement. Tu veux que toi, tu puisses dire que les autres te parlent seulement pour t'écouter. Bien aimé, sache qu'il y a un sentiment d'orgueil à l'intérieur. Sache qu'il y a un sentiment d'orgueil à l'intérieur de toi. Souviens-toi tout de toi. Où tu as dit que c'est moi qui ai prié pour toi et puis te guérir. C'est moi qui ai fait ça et puis te délivré. C'est moi qui t'ai délivré. C'est moi qui t'ai imposé les mains. Je me souviens pas de toutes ces paroles que tu as dit. Là où tu n'as pas donné la parole au Seigneur Jésus. Là où tu n'as pas donné la parole au Seigneur Jésus. Parce que l'orgueil n'aime pas les conseils. L'orgueil n'aime pas les réprimandes. L'orgueil n'aime pas encore les avertissements. Lui voit tout ce qu'il fait. Il voit tout ce qu'il fait. Quand on s'approche de lui, il dit, ah, voici, il y a tel. Il dit, non, ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Hein. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Bien aimé, il faut traiter le péché de l'orgueil avec sérieux. Parce que, à la moindre erreur, c'est ce qui vous comprend. Pour que tu écoutes tes témoignages, pour que tu écoutes tes enfants de Dieu, n'ont pas pu être enlevés à cause du péché de l'orgueil. À cause des sentiments de l'orgueil. Le padre et le pape même, c'est l'orgueil. Ces enfants-là, c'est la colère. Ces enfants, c'est la haine.
Ses enfants, c'est l'amertume. Ses fruits, ce sont les divisions. S'il y a division quelque part, c'est qu'il a mauvais cœur. S'il y a la jalousie quelque part, c'est qu'il a mauvais cœur. S'il y a la méchanceté quelque part, c'est qu'il a mauvais cœur. S'il y a quelque chose quelque part, c'est que c'est l'orgueil qui a fait. C'est pourquoi ne joue pas avec ça. Devant le Seigneur de briser toute forme d'orgueil, parce que l'orgueil est multiforme. Tu n'aimes pas patienter. Tu n'aimes pas écouter. Tu n'aimes pas encore. Quand tu dis que tu n'es pas multiforme, tu murmures à chaque fois, à chaque instant, à chaque moment. Sache qu'il y a le péché de l'orgueil qui est là. Tu veux toi se prophétiser. Tu veux toi se prêcher. Tu veux toi se parler. Tu veux qu'on te regarde toi seul. Quand tu es parmi les frères et les sœurs, tu veux que les sœurs te remarquent. Tu veux te proposer à ton l'argent de prendre. Tu veux qu'on te remarque. Quand tu veux sortir ma journée de ta poche, tu n'es pas plus à cacher. Tu veux que les sœurs regardent pour qu'elles disent oui, le prix du travail. Oui, le prix à l'argent. Même dans le témoignage que les gens donnent, il y a de vrais orgueils. Parce que quand ils viennent donner le témoignage, ce n'est pas pour la voix de Jésus. Mais c'est pourquoi on regarde. On dit que lui, c'est un homme de peur. Lui, c'est un homme de peur. Lui, c'est un homme de puissant. Quand tu parles, ce n'est pas pour donner la voix à Jésus. Mais pour que le peuple remarque qu'il a opéré quelque part. Pour que le peuple remarque qu'il a opéré quelque part. Bien aimé, le témoignage que tu donnes, est-ce que c'est pas l'orgueil qui est derrière? Est-ce que tu ne peux pas qu'on puisse le regarder? Est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse te voir? Tous les jours, c'est toi qui as un témoignage. Tous les jours, c'est toi qui as un témoignage. T'as mangé un petit lit blanc, je viens témoigner. T'as mangé un petit lit jaune, je viens témoigner. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas pour qu'on te regarde? N'est-ce pas pour qu'on puisse te voir? Ne souffre pas avec le péché de l'orgueil. Parce qu'il y a la vie et la mort dedans. Ne souffre pas avec le péché de l'orgueil. Les habits que tu portes pour venir ici, il n'y a pas l'orgueil derrière pour qu'on puisse se remarquer, pour regarder aussi dans ta vie. N'y a-t-il pas aussi ça dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas ça à l'intérieur de toi? L'orgueil est subtil, toi-même tu ne vois pas. C'est quelqu'un qui te dit, ah mon frère, ça ne va pas, hein, il est remarqué quelque chose. Faut accepter mon ami, faut accepter, c'est pour ton bien. C'est très subtil. Écoute tes témoins. Oui, moi, quand je t'ai ici, au moment, j'ai prié, j'ai commandé, j'ai fait ceci. Tu ne peux pas selon la grâce du Seigneur. J'ai prié, j'ai commandé. Oh, quand j'ai prié, oh! Nous ne savons pas ce que nous faisons. Bien aimé, ça, c'est quoi? Tu vas parler sérieusement pour le péché de l'orgueil. Tu vas parler sérieusement au roi des gloires pour le péché de l'orgueil. Parce que c'est une petite, mais quand il est mort, doucement, jusqu'à ce qu'il grandisse, et tu commences à manifester la rébellion. Tu commences à manifester la rébellion. Bien aimé,
sois disposé. Et par le Seigneur Jésus véritablement à cause du péché de l'orgueil. Hé, je ne veux pas aller en enfer, c'est comme ça on parle. Vous ne pas, c'est une formule de prière en votre Dieu. Non, c'est-à-dire que quelqu'un peut te faire, je te compter, moi je te fais mon vie, je te fais ce que je ne veux pas aller en enfer. Ma demain n'est pas l'enfer. Il va l'enfer dans ma vie, si demain aujourd'hui je vais en enfer. Jésus, je ne veux pas. Je ne veux pas. Pas comme cela, Dieu. Bien-aimé, maintenant je ne veux pas le Seigneur Jésus. Si tu as trouvé le moyen de dormir, dors. Au moment où tu as tes réveillons, elle va partir. Faut dormir. Je ne me parle. Le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as promis que tu vas nous enlever. Tu nous viendras, tu nous prendras. Et nous irons là où tu es. Le Seigneur, il y a un péché qui veut nous empêcher. Il y a une situation qui va nous empêcher d'entrer. Il y a mal qui va nous empêcher d'entrer. Seigneur, je lutte, mais je n'arrive pas. L'orgueil me tue, l'orgueil me fatigue. Je n'arrive pas à en sortir. Oh mon Dieu, qui me délivrera de l'orgueil? Qui me séparera de l'orgueil? Qui m'ôtera de l'orgueil? Qui me séparera de l'orgueil? Seigneur, je parle selon mon propre chien. Je parle selon mon propre chien. Je crois que je suis de tout le monde. Je crois que j'ai la connaissance. Mais je ne suis rien. La Bible déclare que la connaissance entre. Père, je suis en plein d'orgueil. Ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, délivre-moi. Ce soir même. Ce soir même. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Délivre-moi. Demande au Seigneur de te briser. Il ne joue pas avec ce péché. Demande au Seigneur de te briser dans le feu. Dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Que maintenant le Seigneur descend et tu commences à le faire maintenant tout ce qui est en feu. Seigneur, de tailler le mauvais âme, le cercle de l'en feu, puis enlever les racines, puis enlever le cordon. Père, on ne peut pas parler sous moi. On ne peut pas me dire quelque chose. Parce que l'orgueil me chauffe le cœur. L'orgueil me met dans la colère. Père, Seigneur, j'ai besoin de rester. Le seul acteur qui peut gagner l'orgueil, c'est toi. Le marabout ne peut pas. Le perdu policier ne peut pas. Aucune personne ne peut. Et maintenant, on vient d'enlever l'orgueil. L'orgueil de la vie. 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 L'orgueil de notre corps. L'orgueil de la façon de s'habiller. L'orgueil de le parler. L'orgueil de le comportement. L'orgueil de tout. Allez, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, Père, ton peuple a besoin de toi, Père. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, toi. Parce que l'orgueil de Père est détruit. Père, tu dis que si tu venais 10 personnes seulement, à cause de l'orgueil, ma douleur, à cause de l'orgueil, à cause de l'orgueil, Père, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je ne suis pas né pour aller en fer. Je ne suis pas né pour couper les peuples de la géante. Je ne suis pas né parce que je n'ai pas ma place. Tu n'as pas préparé ma place à cause de moi. Seigneur, il y a un mal qui me fatigue. Il y a un mal qui me fatigue. Et le sang de l'enfance. Ce mal, c'est l'enfer. En même temps, ce mal, c'est l'enfer. Père, je te prie en ce jour et peut-être de toi. Seigneur, aujourd'hui, de ce moment, que je sois là, peut-être de toi. Que le manteau de l'enfer est tombé. Que le manteau de l'enfer est brisé. Que le manteau de l'enfer est brisé. Que le manteau de l'enfer est brisé. Demande le Seigneur de briser le manteau de l'enfer. Demande le Seigneur de briser le manteau de l'enfer. Demande le Seigneur de briser le manteau de l'enfer. Le manteau de l'enfer, quel est l'ennemi d'avoir porté? Le manteau de fierté, le
manteau d'arrogance, le manteau d'arrogance, le manteau de ton catise. Demande au Seigneur de briser vivement. Seigneur, brise tout ce manteau-là. Déchire, 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 déchire. Le manteau de l'homme. Déchire le manteau de l'homme. Déchire le père. Je souffre tout le haut. Mon Dieu, écoute-moi ce soir, De la même manière que tu as frappé Jacob dans l'ange, c'est le temps de frapper, et Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi, je ne veux plus dire à toi, au
De la chair. Voici les trois les plus destructeurs. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Bien-aimé, ne joue pas avec ces gens de choses. Demain encore, tu es là. Tu récupères un détail. Tu pries jusqu'à le Seigneur. Tu te présentes pourquoi tu es rassemblé tous les péchés. Attrape un. Donne le coup de poing. Viens, tu t'as attrapé l'orgueil. Attraper la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, frapper les trois séparément, ils disparaissent. C'est pas du jeu. Ça, ils disparaissent. Bien aimé, c'est pourquoi nous allons chanter ce dernier cantique-là et nous allons arrêter là. Seigneur, voici ma vie. Je vais entendre le peuple de Dieu en train de chanter d'abord. Bien aimé, finissons l'effort, finissons l'effort. Voici ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada.
On ne plus cela. Plus jamais on ne plus la volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Le monde soit fortifié. Mais lorsque quelqu'un juge, bien aimé, je veux t'encourager ce soir à continuer encore dans ce moment de jeûne. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas à l'esprit. Nous ne jouons pas avec le péché. Parce que si tu as entendu le témoignage de quelqu'un, on dit qu'il est mort. Il est un véritable conflit. Il a combattu, il a fait tout. Et à cause d'un grain d'orgueil, il n'est pas rempli. Mieux vaut pour toi de ne jamais avoir entendu ce témoignage. Parce que si toi, après avoir entendu, tu vas là-bas, tu vas voir le papa de Satan. Bien aimé, ça, c'est quoi? Traite le péché chez l'autre. L'orgueil, là, c'est un arbre. Racine, là, ça réussit. Première branche, c'est foulé. Et puis les autres, ça la haine. Quand l'orgueil est là, il actionne tout le monde. Et quand l'orgueil est là, tous les dons, les qualités qui sont en toi, que Jésus-Christ a mis là, le diable va te mettre des tissus. Il va utiliser ça maintenant pour détruire. On a ici pour aller au ciel. On a ici pour aller au ciel, bien aimé. Donc, prends ce moment de jeûne à cœur. C'est pas facile. Donc, ils viennent d'arriver, c'est maintenant qu'ils ont commencé la marche avec Christ. Donc, c'est dur. C'est un travail difficilement, c'est dur. Mais sois fortifié. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Bien aimé, ce n'est pas facile. À un certain moment, même les pensées de nourriture commencent à rentrer dans ta tête. Tu commences à faire d'abord le plan. Tu dis le dernier dimanche, chacun arrive à la direction. Mais bien aimé, sois fortifié. Que le poulet ne t'empêche pas de réussir ce moment. Que la nourriture ne t'empêche pas de réussir ce moment. Bien aimé, sois fortifié encore. Parce que ce n'est pas facile. Bien aimé, pendant que tu es en train de faire ça, le Seigneur aussi, il profite de ce moment pour aiguiser encore le temps. Pour écrire ça, pour les talents, toi, pour que tu sois pointu. Bien aimé, prenez ce moment pour beaucoup méditer. Pardon, pour lire, même si c'est pour lire une phrase, pour lire une phrase, ça ne fait rien. Au moins, tu as fait quelque chose. Dans le monde, on dit que mieux vaut 1 que 0. Alléluia. Parce que c'est des bons appels à prière. Non, le problème de lui, c'est pas du tout. Bien aimé, sois fortifié. Moi, c'est celui des bons appels à prière. Bien aimé, quand tu continues demain, voici deux sujets qu'on n'a pas touchés. L'orgueil et la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Alléluia. On ferme légèrement les yeux. Adonai, quand je lis la Bible est claire. On dit que l'enfer a été créé pour le diable ainsi que pour le démon. Ça n'a pas été créé pour moi. Donc, je ne me vois pas en train d'aller en enfer. Je ne vois pas ma soeur en train d'aller en enfer. Je refuse sur le nom de Jésus. Éternel, tu nous as prévenus. Tu es un Dieu bon. Tu n'étais même pas obligé de dire qu'il y a 10 personnes seulement. Tu peux nous laisser et puis on va penser qu'on était arrivé. Oh, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Adonai, voici nos vies.
que pendant même que nous allons nous laisser, que tu détruises encore tout ce qui est complet, toute forme d'enfer, toute forme de péché. Alors que quand nous sortons de ce moment-là, Père, nous sommes totalement libérés. Qu'il n'y a encore aucun esprit à l'intérieur. C'est-à-dire, la Bible déclare que ayez le même sentiment qui était en Christ, lequel existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, à donner le sentiment qui t'animait là. Père, que ce sentiment-là nous anime. Et dans tout ce qui ne va pas encore de nos vies, dont on ignore, dont on ne sait pas, dans les moindres détails, Seigneur, révèle-nous, parce que tu es le Dieu de la révélation. Révèle-nous toutes choses. Afin que Père, et très mon Dieu, mon Père, aucun péché ne soit plus encore à l'intérieur de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Raccompagne chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.